Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons aborder le cas d'un animé grandiose qui mérite largement que j'en parle, et cet animé c'est Wotakoi, où l'amour c'est compliqué pour un otaku. Bref, je vais comme à mon habitude présenter l'animé, pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, je vous plains un peu d'ailleurs. Mais il est temps de rectifier les choses, car je vais ensuite faire une petite analyse OSEF de l'œuvre. Et enfin, oui mesdames et messieurs, parler de la saison 2, ou simplement d'une suite, mais dans tous les cas, n'oublie pas que si tu apprécies mon contenu, la meilleure façon de me remercier serait de t'abonner, et de lâcher un pouce bleu si l'envie t'en prend. Sur ce, jamais été autant hypé pour faire une vidéo. Mais ouais, alors son intro aussi. Wotakoi est une comédie romantique doublée d'un slice of life, et c'est initialement sorti en manga, fait par Fujita et prépublié dans le Pixiv Comic Pool. Sa parution a débuté en avril 2014 et continue encore aujourd'hui de paraître pour comptabiliser 7 volumes. Vient ensuite l'anime réalisé et scénarisé par Yoshihima Hiraike et produit par les studios d'animation A1 Picture, licencié par Aniplex. C'est sorti entre le mois d'avril et juin 2018 pour se finir avec un total de 11 épisodes plus un OAV sorti récemment en mars 2019. Un film live est aussi prévu pour 2020, mais ce n'est pas trop mon kiff personnellement. Wotakoi nous fait suivre la vie quotidienne de Narumi, qui est une otaku, et nous suivrons dans cette série la comédie romantique maladroite entre tous les employés de bureau là où Narumi travaille. Malgré tout, elle essaye de cacher le fait qu'elle est un otaku à tous les autres. Elle rencontre ensuite Hirotaka, qui lui est un énorme otaku qui s'assume, accro aux jeux vidéo, et qui reste H24 devant un écran. Mais même si les deux personnages ont l'air de se correspondre parfaitement, le titre s'expliquera bien, car il est vrai que l'amour pour un otaku, bah c'est compliqué. Le premier personnage qui est le principal et Narumi Momose, c'est une jeune femme très entreprise et travaille en tant que secrétaire dans un bureau. Mais elle cache en vérité sa vraie nature, qui est celle d'une otaku fan de manga, shoujo en tout genre, les jeux de romance et les idols, ce sont les stars au Japon pour info, et c'est à cause de son côté otaku qu'elle a du mal à garder un petit ami, et c'est pour ça qu'elle a décidé de cacher cet aspect d'elle qui est pourtant majeur. Elle est un peu le genre de meuf insouciante et tête en l'air qui ne fait pas de projet de plus de 2 secondes à part quand il s'agit de s'acheter un manga. Elle est malgré tout étonnamment sympathique et sociale, bien qu'elle ait du mal à faire la différence entre la réalité et la fiction. Le second personnage qui est aussi sous le feu des projecteurs est Hirotaka Nifuji. Il est l'ami d'enfance de Narumi et il est amoureux d'elle depuis ce temps. Il est aussi un otaku de type jeu vidéo qui passe tout son temps libre à level up. Contrairement à Narumi, de son côté il s'en bat les couilles de savoir si c'est un otaku ou pas. Il est plutôt zen d'esprit et se contrefout un peu de tout. Comme du fait que beaucoup de femmes le trouvent attirant, mais c'est sûrement parce qu'il avait déjà un coup de cœur. Et depuis sa relation débutée avec Narumi, il se montre un peu plus courageux et sort ne serait-ce qu'un peu de ses gongs. Je pense qu'on pourrait définir le personnage comme un cul d'airé, mais pour homme. Bien qu'il est pour moi largement plus intéressant que ça, de par sa structure comportementale qui n'est pas juste basée sur un archétype comme les cul d'airé. La troisième est Hanako, c'est la supérieure de Narumi, et elle est pour le coup une célèbre otaku, connue pour ses cosplays qui sont majoritairement des personnages masculins. Et je pense que cela vient de la passion qu'elle attribue au manga BL. Enfin, Boys Love. Enfin, ouais, c'est du yaoi, ouais. Elle est de personnalité assez froide, attention, rien à voir avec une cul d'airé, car elle a un caractère fort, tel que quand elle est dans la scène, on ne peut que la remarquer. Elle se cache également de sa passion, mais s'assume, elle, un petit peu plus que Narumi. Elle est en couple avec Kabakura, qui est également un ami de Hirotaka. C'est un mec plutôt fort de caractère, exactement comme sa meuf. Il était le capitaine de basket de l'équipe de son lycée, et elle était le capitaine de l'équipe féminine. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Niveau camouflage, on peut dire qu'il est du même level que Narumi, car à part ses proches, personne ne sait qu'il est un otaku. Lui est fan de héros de shonen et de bishojo. Bi qui est le kanji de beauté et shojo qui veut dire jeune fille, vous faites le rapprochement. Bref, Hanako et lui sortent ensemble depuis longtemps et ils ont l'habitude de se disputer pour un rien. Mais ils s'aiment tout de même et soutiennent entre eux une grande complicité. Pour moi, Wotakoi est le parfait exemple d'une romance bien faite, un excellent slice of life qui a pour thème les otaku, mais sa qualité principale est qu'il y a du contenu pour tous les goûts et passions. Tout le monde trouvera quelque chose dans l'anime qui vaille la peine de s'amuser et de rire. De part, si vous êtes un fin observateur, certaines références avec des mangas comme Mahoutsukai, Hero Manga Sensei, Sailor Moon, Dragon Ball et j'en passe. Mais aussi des jeux comme Monster Hunter, Splatoon, Mario, Animal Crossing, ce qui ne fait que prouver qu'il y en a pour tous les goûts. Maintenant, nous pouvons
aussi parler des personnages qui sont pour une fois ultra développés. Aucun ne fait office de bouche-trou. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que dès le début, ils se mettent en couple. C'est-à-dire que la romance dont nous parlons ne raconte pas comme la majorité des romances l'histoire de la meuf et du mec qui se connaissent, se fréquentent et enfin vers la fin avouent leurs sentiments et se mettent en couple. Là, dans le cas de Wotakoi, nous suivrons la vraie romance, celle qui commence après la déclaration. Celle que nous voyons en général très peu et pour le coup, là c'est carrément la trame principale. Mais ces mêmes personnages sont aussi très amusants et fortement divertissants de par leur personnalité qui se complètent avec les autres. Ce qui fait par ailleurs que nous suivons pas un couple mais deux couples avec leurs interactions qui sont ma foi très réalistes car dès qu'ils se retrouvent, ils parlent bien sûr de tout mais surtout d'animé et de leur passion. Moi par exemple, je sais que quand je parle avec des collègues, il m'arrive souvent de parler du dernier animé que j'ai regardé, le dernier manga lu, bien que je n'ai pas les mêmes goûts que tous mes collègues et cela est aussi dans l'animé, avec Hanako qui n'est souvent pas d'accord avec Narumi et qui se dispute. Même les situations présentes ont toutes été réunies pour créer un animé mignon et sympa, mais pas exagéré. L'animé ne sort pas du réalisme, mais a créé un environnement que lui seul peut exploiter et exceller dedans. Ce n'est pas un monde fantastique, c'est la vraie vie. Et la vraie vie montre que Wotakoi est excellent sans qu'il ne dépasse des limites dans son genre. Au début, nous porterons un regard prédéfini sur les personnages, mais cela change dès le début, car ils ne sont pas limités à leur personnalité, car même Hirotaka qui est calme et on pourrait dire timide, est arrivé à se déclarer à Narumi dès le premier épisode. Car c'est vrai que nous ne parlons pas pour une fois de lycéens, ce qui laisse l'accès à beaucoup de choses. C'est certes quelque peu enfantin, mais n'est-ce pas là le fait d'être un otaku, une sorte de retour à l'enfance, comme c'est décrit dans l'anime en tout cas, même si je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Vous sauteriez aussi pas mal de déjà vu dans les romances, c'est-à-dire pas de rougissement indirect qui est au passage totalement direct, pas de rencontre aléatoire, pas de baiser indirect, etc. Je ne dis pas que tout cela est chiant, bien qu'il faut voir pour certains. Je dis simplement que l'anime, bien que ce soit une romance, arrive encore à être original. Cette émission, finalement, apporte une véritable bouffée de chaleur, ce qui vous laissera rayonnant de bonheur. Voir des personnages dans nos œuvres qui eux-mêmes sont passionnés comme nous de ces mêmes œuvres, c'est simplement kiffant. La comédie, la romance, les personnages extérieurs, l'environnement, les situations, tout est bien exploité, sans abus. Niveau graphisme, j'adore le style qui fait pour moi un peu plus adulte et je dois dire que c'est pas mal. De plus, ils ont enfin compris où et comment utiliser la 3D, c'est-à-dire dans des plans qui ne le servent à rien. La bande sonore marche aussi très bien car elle arrive à chaque fois à accentuer la situation pour lui faire atteindre son apogée, ainsi rendant la chose absurde et marrante. Donc en conclusion, Wotakoi est une comédie romantique qui peut être regardée et appréciée par tous. Alors le dernier épisode, car dès que nous croyons que tout était fini, le petit frère de Hirotaka parle d'une certaine ex, et Hirotaka réplique avec un regard meurtrier, montrant qu'il a quelque chose à cacher, nous disant au passage que non, ce n'est pas la fin, et moi au vu de mon contenu, cela ne peut que me faire plaisir. Déjà, sachez que la suite est disponible en manga, je laisse toujours une alternative, et celle du manga est toujours la meilleure. Donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au chapitre 27, ou tome 3 ou 4, selon les éditions. Même si cela serait mieux de reprendre avant, car comme d'habitude, le manga raconte plus que l'anime. Actuellement, le manga en est à 45 chapitres, ce qui n'est pas encore assez pour s'adapter d'une suite en anime. Toutefois, les ventes et la popularité de l'œuvre sont excellentes, et un picture pourrait, comme il l'a fait pour la saison 1, faire du contenu exclusif animé. Et pourrait le faire, et juste ajouter tous les chapitres qui sont sautés dans la saison 1, ce qui nous ferait sûrement une excellente saison 2. Mais pour l'instant, ce qu'il manque, c'est du temps, car l'auteur n'est pas très régulier, c'est pour ça que les chapitres sont un peu longs à paraître. La preuve que le tome 4 sortira en février 2020. Ça, plus l'OAV qui est sorti en mars de cette année, nous prouvant que l'œuvre globale continue d'être entretenue. Dans tous les cas, si toute information venait à paraître, je vous informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. C'était donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.